Alors, j'ai décidé de faire l'isolation du plancher du vide sanitaire parce qu'effectivement, dès qu'il y avait un changement de température à l'extérieur, on le savait, on le sentait tout de suite en fait à l'intérieur, le plancher devenait vraiment froid, voire glacé en hiver. Moi, j'aime bien être nu-pied chez moi, je ne pouvais plus, tellement c'est froid en fait. En fait, au départ, j'ai fait des recherches sur Internet. C'est vrai que j'étais assez sensible au côté d'avoir une entreprise locale. Et puis, donc, un petit peu par hasard, j'en ai sélectionné 3-4. Les personnes sont venues faire des devis. C'est vrai que j'ai eu un bon feeling avec le monsieur. Et puis, surtout, j'ai apprécié. Il m'a appelé régulièrement, sans non plus trop... Voilà, c'était pas du tout agressif. C'était vraiment un suivi sympathique en disant « Alors, vous en êtes où ?» Parce que j'ai fait des démarches auprès de l'ANA pour avoir des primes, des aides, et il me disait « Où en est votre dossier? Qu'est-ce que vous décidez ?» Et puis je lui disais « Bon, suite au Covid, le dossier a pris un peu en temps. » Et puis je l'ai recontacté en disant « Ça y est, j'ai mes accords d'aide, je vous ai choisi. » Et il est intervenu. Super bien, ça a été super rapide. Je dirais, avant-champ propre, efficace, génial.